shot, éther, mushroom, bombos, tunique verte. Ok, c'est bon. C'est parti. 3, 2, 1. Go. La merde. Ça c'est cool. Ça s'allume moins. Ça veut dire qu'il va falloir former pour des bombes. Toujours pas de bombe en plus. Ça, on va le prendre. Thank you.
qu'il y en aura sur les serpents. Vraiment pas de loot sur eux quoi. Parce que j'ai vraiment pas de bol, soit c'est. Ils ont un petit paquet de merde. Ah, ils ont peut-être le paquet des. Des serpents et des. Chauves-souris justement. Pas de bombe quoi. Ah bah ça y est. Voilà, une deuxième bombe. Comme ça, moi je pourrais faire deux. Troisième, ce serait cool. Quitte à perdre du temps, temps perdre à fond. Une minute de plus, au moins. Je te troll. Jeu de méga troll quoi. Pardon. On a fait un mauvais départ, on a perdu une minute pour de la merde.
Thank you.
gants. Les gants sur la petite montagne. En même temps, là, il manque que la paire de lunes et puis les gants pour les voir. Cette blague. Les deux gants au même endroit, quoi. Ben, Hera. Ouais, mais Hera, c'est un pendentif. Après, je peux me faire toute la montagne de la mort, gauche et droite. On va quand même aller voir s'il n'y a pas le par la lune là-haut. TP sanctuaire, bon cave et puis voilà. Est-ce que c'est pas la ligne qui manque? Payer, mais bon. C'est pas mal. Merde. Bon, j'y suis. On va voir. Appel. C'est sur le côté, il est même pas là où elle est normalement. Le Bloomang. Ça va être Hera, donc on trouve un truc pas mal dans Hera, enfin dans la montagne de la mort. Ça sera là que j'ai pas d'Hera. Y a un mec normalement là. Faire un petit smooch. Oh.
verra quand même. C'est pas très long. Combien on a dit d'objets de... en fait. Que des bons cas depuis tout à l'heure. Deux fois au même endroit. Ah, pas d'objet.
Vérifions ce qu'il y a là quand même. Rabbit Rouge, d'accord. Soit je trouve la perle de lune dans le coin. Soit... Agana. De toute façon, oh, je vais peut-être devoir faire Agana. J'ai la cape là. Je laisse te pour faire Agana. De toute façon, ouais, non, à moins que le rocher de la tortue ce soit qu'un pendentif, ce serait cool. Sinon, ça va être au Agana. Non, Gossard sera là. Pas le geste. Le rocher de la tortue, c'est pas... Ah ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à faire ces salles-là sans la baguette de feu. Ça fait peur. Et merde. Chercher le gant jaune, puis ben, on va aller faire du donjon. Il va nous faire Agana. Thank you.
avait pas un coffre dans un légiste avant. J'ai le doute maintenant. Ça m'embête de d'avoir oublié s'il y a un coffre ou pas. Parce que s'il y a un coffre dans le coin, ça va me faire chier si je l'ai pas. Et j'aurais pas dû le faire tout de suite. Attends, non, c'est pas dans cette pièce qu'il y a un coffre dans le coin. Ça va être une dernière salle alors. Ici non plus, mais merde, je suis persuadé qu'il y a une salle où... c'est pas ici, ça j'en suis sûr. Tintin.
ce grappin qu'il faut pas passer par ici. D'abord aller dans le monde des ténèbres. Ensuite on va enchaîner ce que vous avez fait stand. Si j'ai la flûte, peut-être de toute façon je dois retourner là-bas. Du coup, c'est étrange.
Ça kill le deuxième objet. On va perdre. Deuxième coffre. Ouais, je pourrais utiliser l'éther pour les tuer. Mince, je l'ai spammé. Coup de marteau, ça le touchait pas là. Allez, 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 allez. Faut le tuer là.
Nice. De la mort quoi. C'est pas possible! C'est pas possible! Venir moi.
passe. Ouvrir le rocher de la tortue. J'ai aussi le palais de l'Est et puis le palais du désert à faire. Oh, je vais aller me faire. Putain. Je vais me faire le palais de l'Est. Ça va être bien fait, vite fait. Shot, yes. Grappin. Qu'est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit le palais de l'Est ou est-ce qu'on suit le palais de l'Est? On va aller sur le palais de l'Est. Et puis aussi le jeu du... Le jeu de l'appel. Thank you.
gueule quoi. Ce truc et je m'en moque. Ça du tout. D'aller jusqu'au rocher de la tortue et puis de pas avoir le médaillon. Non, pourquoi? Peut-être Barbier, pourquoi? Ouais, peut-être ça. C'est ça qui se passait, les gens au-dessus, ils balancent de la flotte.
marcher dans le devant quoi. Le troisième, moi je sais où il est. Bon, bah direction le... Pas les glaces, hein. Beaucoup de mana, j'ai les clés P niveau 2, ça pue, le palais des glaces. Trois objets, et d'un. Les familles qui va bien. Le petit PBJ qui va bien. First try. C'est le glitch de toute façon. J'aurais pas. C'est la barre de mana entier, donc on va tâcher de la buter. Là, il y en a.
8 coups de baguette de feu. La porte à droite. Bah, c'est la mana ou c'est de l'HP qu'il y a dedans? Voilà. J'ai pas une clé en faisant ça. J'ai gaspillé une clé plutôt. Allez, 8 coups de baguette magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. La boussole. J'en ai fait combien? J'ai fait celui-ci, donc j'ai eu un objet. J'ai fait celui-ci, j'ai eu un autre objet. Une clé? Une clé que j'ai eu? Ouais, c'est une clé que j'ai eu, je crois. Non, ça va pas mieux de tomber en haut, voilà. Okay.
des trois. Bah, c'est bien. J'appuie deux fois sur A. Je veux voir le replay. Je veux voir le replay.
retapé les blocs? Je me souviens plus avoir retapé les blocs. Je crois pas que j'ai retapé les blocs. Je crois que j'ai fait cette connerie de pas taper les blocs. Je pensais à autre chose et puis je n'ai pas tapé les blocs. Barre-toi la flamme. C'est terminé. Les deux coffres qui restent, ça c'est la boussole et la carte. Plein sur l'orbite là. C'est tout, on va le tenter comme ça. Si c'est pas ça, si j'ai pas le si c'est pas éther ce qui sera chiant, c'est si j'ai pas la baguette de glace, ça sera retraversé tout le donjon. Attends, elle
aller faire code ou... C'est genre pas de cette ville à flûte et après tu vas faire miserie. 4 fiches. Qu'on va aller voir quand même. Avec simple magie et puis Master Sword, ça vaut le coup de prendre une bouteille bleue. Ce réflexe, mauvais réflexe quoi. Ah ouais, ça... Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Yo Jean-Louis, attends. Deux secondes, faut que j'affiche le chat. Et tu vois, le chat. Comment on va? De la merde. Je te fais de la merde. Alors, est-ce que tu vas t'acheter? Bah oui. C'est pas dur ça, t'sais. Pardon. Why not? Mais avant, en fait, j'aimerais bien connaître les règles de ce jeu. Mais si, The Mash World, mec. Mais non. Mâchoire, le mec. Et mâchoire le sur PC. Pourquoi je refais pas le gars qui va bailler Mâchoire? J'aime bien moi Mâchoire. Enfin, j'aime bien MH. C'est bizarre que ça pop up ça. Bonk. Après, c'est vrai qu'ils pouvaient sortir directement la version complète. Ça m'arrangerait beaucoup, tu sais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir la version full avec tous les monstres high rank et puis pitou. L'arc qu'il faut pour ce boss là. Bah franchement je me tâte, ça va dépendre de combien de potes le prennent quoi. Ouais, j'ai loupé mon quick kill moi. Secousse! Ouais! Par contre, le problème, c'est que j'ai toujours pas j'ai toujours pas la baguette de glace. Donc, à moins qu'elle soit dans le donjon. Soit elle est dans le donjon et puis c'est GG, soit elle est pas dans le donjon, et auquel cas, c'est la grosse merde. Moi je te le dis. Ouais mais on s'en fout, sur PC il y aura d'autres monstres sûrement, genre GLaDOS quoi. Tu vois. Et en plus,
vu que la FF maintenant sort sur toutes les consoles, je vois pas pourquoi est-ce que le behemoth resterait un. Resterait exclu. T'sais. Ah bah voilà. Go mode mec, go mode. Mais ouais, c'est. Enfin. Pour moi, le behemoth finira par être sur. Sur Steam, sûr. Ah, quel con. Les deux heures, je pense qu'on. C'est même sûr qu'on les fera pas là. La grande clé là qui me font. Pourquoi je suis sorti? J'ai pas fait gaffe, j'ai une fée? Non, j'ai plus de fée. Ils font tellement mal. J'avais oublié qu'ils faisaient aussi mal que ça. Bon, ça va, c'est pas trop de temps perdu, mais bon. Ça arrange pas les affaires. Allez! En plus, j'ai même pas besoin d'équiper ça. Ah mais parez-vous con de chien. Voilà bit key, allez hop. Bah ouais. La Moulana, franchement j'ai fait le premier la première zone et j'ai dû mourir une fois tué par un monstre, deux fois écrasé par le plus plafond.
une fois tué par un boss et puis Kujata, c'est un boss de la Moulana 2? Parce que si c'est ça, non, j'ai fait que le boss qui m'a buté, c'était Lee Dog. Sup. Et alors, et si vous écoutez bien, la musique n'est pas la même que d'habitude. Bah non, 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 alors j'ai fait le boss de la première zone, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est pas Kujata. Alors, Jaco Frost, est-ce que tu vas te prendre Monster Hunter World sur PC? No, no spoil, dude. Sinon, je te instant kick ban. La petite clé qu'il me fallait. On va quand même aller regarder ce qu'il y a là-dedans. La carte. Puis ce qu'il y a là-dedans aussi. Fuck! Putain de monstre à la con. Là, ça me casse les... Bah ça y est, dead. C'était trop useless en plus, dernier coffre. Allez, on est un warrior. Je sais plus combien d'un coup c'est. Je crois que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5,
Voilà. Et hop, on va pouvoir attaquer la deuxième partie tout de suite. 1, 2, 3, 4. Allez. La potion rouge. Je m'en vais pas crever comme un connard contre ce boss. Que ça pop pas ce truc. Voilà. Allez, la tour de Ganon, jouons à notre jeu préféré. Il y a 22 coffres. Dans quel coffre sera la grande clé? Il suffit de dire un chiffre entre 1 et 22. Si vous êtes cool, vous dites un truc genre 1 ou 2. Et si vous êtes pas cool, vous dites 22. 21. Moi j'aime bien partir sur la droite en premier. Ah mais le mec sympa quoi. Ça fait quoi ça 18? Ça fait ça fait loin. Ça fait trop loin pour moi. Hein. On a une potion, je veux dire. C'est bien, c'est que je la trouve maintenant. Buttersword. Mais mec, ça fait 15 ans que j'ai cette tête de. Sur. Fucking. Discord et je t'ai jamais vu. Tu m'as jamais filé ton nom. Aïe. Bon, bah, au moins on aura eu. Buttersword. Et code de maille rouge, vas-y donc. Qui est drôle. Non, j'espère vraiment pas que ça va être le 22e coffre, quoi. Parce que. C'est le coffre casse-couille. Ah bah voilà! C'est quoi ça? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tag, je le connais plus de tête. Bah peut-être sur Monster Hunter World. Eh bah ouais, peut-être bien. Après, encore faut-il que lui veuille se l'acheter, parce que je sais qu'il a déjà joué à des Monster Hunter et que ça le faisait un petit peu chier. Écoute, c'est pas parce que toi t'es un privilégié avec une PS4 que tout le monde a cette console. Bah, le truc c'est que les vieux Monster Hunter c'est quand même grind quoi, donc alors que celui-ci, comme il est vachement plus simple et que t'as plein de trucs qui t'aident. Non, par contre, le genre WoW quoi. Le mec quoi. Retourne dans les années. Retourne dans les années 2000 quoi, WoW. Non mais sinon ce week-end on a joué à un truc bien fun, c'était Overcooked. Bah tu sais, c'est exactement ce que je disais à Jean-Louis il y a quelques instants quoi. À droite. Ah bah si, c'est une petite clé qui me manque. Voilà, c'est celle-ci. Cette run est validée. Allez, 2-8. 2-8. Encore 2, puis ça va. 3. Et voilà, terminé.
pam 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 pam. Normalement là, vu le stuff, ça va passer crème. Voilà, donc là, je l'ai déjà passé en phase 3. À prendre la lampe pour le payer 4. C'est parti pour la P4. P4 est amorcé. Double. Simple. Et mort. The value trop vaut pas quoi, mais trop pas. Bah ça ce sera vendredi ou bien dimanche. Deux heures quatorze, 04:40. Je sais plus ce que c'est, mais si tu le cherches sur Reddit, tu le trouves. On a eu du poids sur ce coup-là. C'est quoi 2018. Ça, on peut le virer. Je pense que le plus simple, c'est peut-être que je t'invite sur le Discord de Bakoum. Je vais te le send. Et demain, je peux changer de pseudo Twitch. Lol.
Je ne sais pas si je vais changer. Je vais peut-être essayer soit de remettre un petit fana ou un. Non, non, peut-être plus genre comme ça. J'ai cliqué, j'aurais pas dû cliquer. Ah bah voilà. Demander un ami, retirer des amis. Bah voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre le super speedrun de Strider? Allez, je vais vous faire ça. Vous allez voir. Alors, c'est pas la meilleure version puisque apparemment il y a eu un nouveau skip qui a été trouvé. Mais ouais, attendez, je vous mets ça. Je vous mets ça. Je vous mets ça. Attendez. Bah ouais, mais le problème c'est que pour la Moulana, il va être tard, je pense. Attendez, je vous remets ça. Ça, hop là. Si, c'est moi qui vais jouer. C'est juste que j'ai maté un speedrun, un autre speedrun pour voir comment faire. Et ensuite, parce qu'il y a, je crois que c'est il y a 2 ans à la SGDQ, il y a eu un speedrun du jeu. Et donc 2 ans après, il y en a eu un autre et ils ont trouvé un nouveau skip et ils ont gagné. Donc je crois que c'est genre une minute sur le jeu. Alors, accrochez vos ceintures, ça va aller très très vite. D'ailleurs, ça vaudrait le coup. Voilà, c'est parti. Mais vous allez voir, c'est vraiment très fun. Alors là vous venez de voir un premier glitch. Ah, je suis mort. Oh merde. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous inquiétez pas, comme ça je vais pouvoir vous faire le glitch. Ah c'est con quoi. Oh non, mais ouais, grave.
j'étais greedy et puis bah voilà, tu craves comme une merde quoi. Mais faudrait que je rechoppe le mais grave ruiné quoi. Mais faudrait que je rechoppe le nouveau glitch qui fait gagner une minute quoi. Donc alors en fait que je vous explique un petit peu comment les glitches marchent. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut courir vers le mur, faire pause. Après vous faites diagonale bas opposé au mur et vous refaites pause. Et ensuite vous refaites gauche vers le mur comme ça. Voilà, et là vous refaites la diagonale vers le bas et au fur et à mesure en fait votre strider il va se retrouver coincé dans le mur. Et au bout d'un moment qu'il est bien coincé comme ça, vous faites juste gauche et hop. Il zip. Parti sur le deuxième niveau. Et voilà le deuxième glitch. Hop. Oh non, me dites pas que je suis mort. Ah mais je fais que de la merde quoi. Mais c'est la première fois que je meurs là quoi. Mais je fais que ça, dis donc. Mais là j'ai merdé mon run de Zelda et je merde mon run de ça. Merde. Ah mais oui. Là on va utiliser la magie jump.
par là-haut. On va utiliser la magie soin. Avant de claquer comme une merde. Voilà. Et me faites pas des Lenny Face, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais oui, mais grave. Mais ça, c'est parce que je suis beaucoup trop cookie, mec. Ah bah, moi j'aurais réussi le triple jump ou quoi. Donc en fait le nouveau glitch qui a été trouvé, c'est dans ce niveau là, au lieu de partir vers la droite et de faire le zip que j'ai fait là, en fait dès le début maintenant ils font une espèce de jump qu'il faudrait que je taffe et puis en fait ils se retrouvent directement à ce boss. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'il est trop tard, il est l'heure d'aller pioncer. Il y en a qui bossent demain. Voilà, n'empêche que c'était Strider. Moulana 2. Ça va vraiment être bien. Mais ça va être hard.